Well, good morning. I hope you guys are well. Wherever you are, over here in the public side, so I can definitely take my my mats off. So let's go. I'll show you something I just found in New York, in Manhattan, in the middle of nowhere, I mean, in the middle of everything. As opposed to me, that I think I can share with you. Come closer, South Brooklyn. Basically, in the middle of Manhattan, with everything going on, you see all the buildings. They found a space here, right? And then started farming. I came and asked them why they are doing this farm over here. You can see they went from vegetables, lettuce, cabbage, and etc. Right here. They came from this side. So, to get closer to me so I can explain to them. Basically, what you see here is in the middle of nowhere in Manhattan, in New York City, where they find this land. And every morning, people come to volunteer to plant food, vegetables, so they can feed the homeless shelter. I think it's a beautiful project. Why am I showing you this? It's just to show that with the space that we have, no matter how small it is, we can create a space to grow food, but also to give back to the community, right? So for young people that's watching me from Africa, you can do the same wherever you are. You don't need to have a farm to be able to farm. You can do it in your neighborhood, you can do it in your house, you can do it in your roof. Pour le dire en français, je disais, don't stay where you are. Je suis ici au milieu de New York. Ce matin, je courais à côté de l'hôtel. Ça, c'est au milieu de Manhattan. Ils ont pris tous ces espaces-là et ils ont créé un public farm pour la communauté ici, pour les homeless, les gens qui n'ont pas où trouver à manger. Et chaque matin, des gens ils viennent, ils font le volontariat pour pouvoir partager les légumes qu'ils font ici pour le donner dans les homeless shops. En tout cas, je vous montre ça. C'est pour vous dire que partout où on est, on peut avoir un petit farm avec nous, une petite ferme, même à la maison, même dans le rooftop, dans les balcons, on peut créer quelque chose pour faire un peu d'agriculture et partager ça avec nos familles ou bien les gens qui sont autour de nous. Mais l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est-à-dire que vous voyez New York, comment c'est grand, comment les buildings sont partout, mais ils trouvent l'espace pour planter des arbres partout. You see, it's green everywhere. Partout, parce que l'environnement est important qu'on travaille chaque jour à planter des arbres, mais aussi préserver l'environnement. Malheureusement, chez nous, au Sénégal, vous avez vu à Dakar, c'est sec, il n'y a pas d'arbres. On tue tous les arbres pour faire des buildings, on tue tous les arbres pour faire des maisons, on tue tous les arbres pour faire des routes. Et on ne se soucie pas de ça. Et malheureusement, l'environnement a été donné à nous, donc on doit le préserver pour nos enfants. Je pense que ça va vous inspirer. Planter quelque chose, des arbres. Commencer à travailler sur l'agriculture, surtout là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de ferme pour commencer l'agriculture. Même à la maison, vous pouvez planter des trucs, des légumes, tout ça là, pour créer ça. Donc c'est pourquoi je voulais partager ça avec vous. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Regardez, we are in the middle of nowhere. This is downtown in Manhattan, right here. And everything is green. Green, look, green, and everybody is planting, right? Voilà. Donc ça m'a fait penser à l'Afrique et mon continent et mon pays, de ce qu'on peut faire. Vous voyez, ils ont fait des buildings partout, mais ils n'ont pas oublié l'environnement. Et ils font l'agriculture au milieu de Manhattan, pour faire nourrir leur population. Je vais marcher avec vous un peu pour vous montrer. Hein. On ne peut pas copier l'Occident sans préserver ce qu'on a, quoi, notre environnement. You know? Parce qu'eux, ils n'ont pas oublié ça. Mais malheureusement, tu viens à Dakar ou dans nos villes là-bas, tout est... Ils ont tué tous les arbres. Hein. Tous les arbres, ils ont tué. Donc c'est à vous, la nouvelle génération africaine, de faire ça. Planter des arbres,
hivernage là qui arrive, s'il vous plaît. Si chacun fait deux arbres et entretenir de ces arbres là, on peut vraiment faire une différence. You know, it's like in the middle of Manhattan, man. Can you believe? Je vais vous montrer un peu. Vous voyez? J'espère que l'aéroport, notre premier aéroport aussi au Sénégal, qu'on a fermé là, on va utiliser ça pour faire des choses comme ça, des grands parcs et des fermes à l'intérieur pour que les gens puissent se nourrir, mais aller là-bas juste être avec l'environnement. On ne peut pas toujours, tuer les arbres et faire des maisons. On ne peut pas. On ne peut pas continuer à faire ça. Parce que sans les arbres, on peut pas vivre. Il n'y a pas de vie sans les arbres, quoi. Ils nous font vivre. On a besoin d'eux. Ils ont créé ça pour les homeless. C'est les gens qui n'ont pas de maison, qui dorment dans les rues ici à New York, à Manhattan. Et ce qu'ils font, c'est-à-dire que les gens viennent, ils font le volontariat. Moi, je suis allé pour voir, mais c'était plein déjà. Et à chaque semaine, ils prennent les légumes et ils amènent ça dans les chertes pour les aider. Ça, c'est des projets que tout le monde peut faire. Ça prend pas beaucoup d'argent, c'est juste la volonté, comme Martin Luther King avait dit. Tu as vu tout ce parc-là, au milieu de Manhattan. Ça me fait passer à mon Afrique, quoi. Vraiment, on a du boulot à faire. Et c'est ça que le voyage peut faire. C'est pourquoi on a besoin aussi que la jeunesse africaine voyage. Parce que quand ils voyagent, ils ont de l'expérience. Les yeux sont ouverts, ils ont des perspectives. Et ils peuvent amener ces expériences encore dans nos pays. Créer nos propres systèmes et développer notre propre continent. On a du boulot à faire. Je veux rentrer tout de suite au Sénégal parce que je veux faire un projet comme ça. Tout de suite chez moi. On est ici pour apprendre encore et prendre le meilleur de ce qu'on trouve ici et l'amener. Vous voyez, c'est vraiment au milieu de Manhattan. On est à downtown. Et il crée ça. J'espère que vous pouvez voyager avec moi aujourd'hui un peu pour voir ce qui se passe ici. Ils ont leurs propres problèmes, mais ils trouvent des solutions aussi pour leurs problèmes. Ils ne copient pas les autres pour le faire. Ils sont très innovants par rapport à ce qu'on appelle le problem solving. Regarde comment ils préservent les arbres au milieu de concrete jungle in New York City. J'espère que la jeunesse africaine est prête parce qu'il y a beaucoup qui nous attend. On a beaucoup à faire. Beaucoup. Il n'y a plus d'arbres dans nos capitales là-bas. Là. Au Sénégal, par exemple, il n'y a pas d'arbres. Ils ont tout tué. Tu vas à Singapour, c'est encore extraordinaire. C'est plus même... c'est un jardin au milieu de tout. Tu as vu ça, c'est les homeless. Les gens qui dorment dans les rues. Ils ont le shelter aussi. Et ils ont pensé à eux en créant ces jardins et ces fermes, ces parcs, pour qu'ils puissent aussi participer sur la vie active de la communauté. Il faut continuer à passer à l'autre. Voilà New York City. C'est pourquoi tout le monde veut venir ici, parce que ça fait rêver, quoi. On doit faire plus que ça en Afrique. Créer notre propre African dream, it's possible. C'est vraiment possible. C'est même pas Central Park. Ça c'est à downtown, quoi. Ça c'est à downtown. Vous avez le downtown ici, c'est de l'autre côté. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, je pense que je vais vous laisser continuer votre journée. Moi aussi, je vais continuer ma journée, mes entraînements. Et après. Voilà, on va se capter. Je vous retrouve, j'espère, à Jefferson Farm dans les prochains jours. On a la 10e promotion qui est en train de se faire là-bas, à la ferme. Je le suis de loin, mashallah.
À partir d'aujourd'hui, on a fait 120 jeunes qui ont été formés à la ferme depuis janvier. C'est magnifique. C'est tous des agriculteurs, des entrepreneurs agricoles qui nous aident à participer sur la révolution agricole de notre continent. Je sais, on est un peu en retard, mais on va y arriver, Inch'Allah. On va y aller. Yeah, they have bike lines, but on the other side, you know, there's too many bikes for somebody that is asking, you know. Les ambulances sont là. Ça aussi, on n'en a pas assez au Sénégal. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Ici, avec le 911, tu as une emergency, tu appelles 911. Moins de 5 minutes, ils sont chez toi. Chez nous, c'est encore compliqué. Tu appelles l'urgence là, c'est difficile de voir les sapeurs-pompiers. Parce qu'il y a les moyens encore qui manquent. Bon, il y a des progrès qui ont été faits, mais beaucoup encore à faire, quoi, tu vois. Tout ça, je vous dis ça parce que c'est à vous, la jeunesse africaine, hein, de venir changer ça. Il y a les travaux partout. New York City, on peut faire Dakar City, meilleur que New York, parce que maintenant, on peut apprendre de faire faire plus qu'ils ont fait. On peut apprendre de l'autre. On peut prendre le meilleur et créer notre propre système, quoi. Vous voyez? Voilà, la zone des Niaï au Sénégal pouvait faire ça. Mais c'est là où il y a nos fermes de zone. C'est magnifique là-bas. On a les terres, on a l'environnement, on a... Voilà, quoi. Ça, c'est un Africain qui vend. What's up, brother? C'est nos frères qui se battent ici chaque jour pour envoyer de l'argent à la maison, quoi, you know? Nos immigrés, nos braves immigrés, ils sont partout ici à New York. Il faut prier pour eux, hein, vraiment, ils participent sur l'économie de notre continent. Si ce n'était pas les immigrés là, aïe aïe aïe, ça allait dur. Hein. Si on les valorisait comme on devait les faire, on n'aura même pas besoin, you know, de l'aide qui vient de l'extérieur. Parce que l'argent qui vient des immigrés, c'est beaucoup plus que ça. Mais ce n'est pas canalisé, ce n'est pas organisé. On ne les aide pas assez, quoi. Et ils font partie de nos meilleures ressources qu'on a. Les immigrés africains qui travaillent à l'extérieur pour nourrir la famille derrière. You know, bravo à eux. Merci, monsieur. Je suis content de vous, moi aussi. Je suis juste un simple jeune Sénégalais qui se soucie de l'avenir de mon continent. Et j'aurais aimé voir ça un jour. Chez nous, ils sont fiers, ils mettent leur drapeau partout. Chez nous, c'est juste le chef de quartier, quoi. C'est le chef de quartier, il n'y a que le drapeau là-bas. Hein. Tu fais le drapeau, ils vont venir te dire d'enlever. C'est bizarre. Mais ici, partout, tu vois, il y a le drapeau. Ils sont très fiers, les Américains. On doit apprendre de ça, d'eux aussi. Hein. Partout où tu regardes, il y a les grands drapeaux. So big, everywhere, man, they have their flags. You see that? Une fierté extraordinaire de l'Amérique. Chez nous, c'est le chef de quartier ou le chef de canton là. Hein? Ils ont le drapeau là-bas. Si tu mets chez toi, ils vont te dire t'enlever ça. You know? On dit que l'Afrique développe, mais ça développe pour qui? C'est les riches. On a les croissances et tout ça, mais la population ne voit pas ça. Hein? Moi qui est dans les villages, je sais que les villageois, les agriculteurs, ils ne voient pas le développement qu'on est en train de nous pomper. À la Banque mondiale et partout, Nations Unies, nos affaires de France-Afrique, tout ça là, ça n'a aucun sens. Si le Sénégalais lambda ou l'Africain lambda ne peut pas se sentir de ça, avoir du boulot normal, surtout la jeunesse, où est le développement qu'on parle, c'est pas pour nous. Vous voyez, les arbres sont partout. C'est magnifique. Je rêve de ça, pour mon pays et pour mon continent. Je rêve de ça chaque jour. Wallahi, every day. I dream of this. One day, nos children pourront juste jouer dans des parcs comme ça chez nous. Pourquoi on ne peut pas avoir des parcs comme ça au Sénégal, man? Niamey, hein, Cotonou, you know, Abidjan. Pourquoi on ne peut pas? On a des arbres plus qu'eux, hein? New York, c'est juste a small island, you know? Very small island. On ne peut même pas avoir ça.
Fair leadership. Well, that's what I call it. Fair leadership. C'est un problème de leadership qu'on a et d'engagement. Surtout la jeunesse. On ne doit pas attendre. Hein. Il ne faut pas qu'on continue à attendre les autres de faire. Parce qu'il y a des choses comme le volontariat. Ça, on peut le faire. Allez dans les fermes si vous n'avez pas le boulot, faire du volontariat. Vous apprenez quelque chose, you know, au lieu de rester à la maison. Vous pouvez aller, you know, faire du volontariat parfois. Vous allez connaître des gens. Tu vois, ils sont en train de cultiver au centre de New York pour pouvoir nourrir les homeless shelters. Et chacun peut venir faire volontariat. Tout cela, c'est des jeunes, hein. C'est des jeunes qui ont d'autres choses à faire, mais ils viennent ici pour participer sur le développement de leur pays. Avec fierté aussi, hein. Ils me disent, ils le font avec fierté chaque matin. Chaque matin, ils vont ici. Je les ai trouvés par hasard, hein. J'ai sorti de mon hôtel, je courais le matin, jogging, et j'ai vu ça. J'ai dit, ah, waouh. Je suis un paysan, donc quand je vois ça, moi, ça m'interpelle. Anyway, je voulais juste partager ça avec vous. Hein? Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours. Un petit pays comme la France, qui appelle tous nos présidents africains, hein? Ils ont quitté tous nos pays là, pour aller trouver un président, hein? Très jeune de 40 quelqu'un là, pour leur parler de l'avenir de l'Afrique, ce qu'on appelle un New Deal. What is that, man? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Imagine... La France appelle les États-Unis, le Canada, la Chine pour leur dire, bon, venez, on va parler de votre économie. Hein, parce que vous, là, on doit vous aider, quoi. Imagine. Moi, ça me fait mal quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal. Ça veut dire, on n'a même pas la fierté. Hein. Comment on va parler de l'avenir de l'Afrique en France? On ne peut pas parler de l'Afrique des États-Unis, l'avenir des États-Unis. En France ou en Chine, l'avenir des États-Unis se décide par les Américains eux-mêmes ici, à New York ou à Washington, D.C. OK? D'accord? L'avenir des États-Unis se décide ici, pas en France. L'avenir de la France se décide à Paris, pas au Congo ou pas au Gabon ou à Dakar. Jamais de la vie. Comment un petit pays, la France, qui le Sénégal a beaucoup plus de ressources que la France, le Bénin en a, tous les autres pays, le Ghana, etc., la Côte d'Ivoire. Et tous ces pays-là regroupés par un président. Mais come on, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de ressources naturelles. Et ils nous amènent à parler de l'économie et l'avenir de l'Afrique. Regroupés dans une petite chambre là-bas, là, à l'Élysée, pour parler de ça. Si ça ne vous fait pas mal, vous, la jeunesse africaine, donc on a vraiment des problèmes, quoi. Si ça vous fait pas mal, ça. Et ça ne suffit pas de faire mal, you know. Hein? Ça ne suffit pas de ça. Hein? Il faut faire quelque chose. Et il faut qu'on arrête à blâmer nos chefs d'État et tout le monde. Hein? C'est à nous tous, nous, on est responsables. Hein? On est tous responsables. Hein? Ce n'est pas eux seuls. It's all of us, man. Quelqu'un me dit, oui, c'est Macky le problème. Non, ce n'est pas seulement Macky. Hein? C'est nous tous. Pourquoi on va blâmer Macky là? C'est nous tous nos problèmes, hein. Qu'est-ce qu'on fait chacun de nous là où on est? On n'a pas besoin d'attendre d'avoir de l'argent ou des opportunités pour faire quelque chose. On peut faire des petites choses. You know? Et que ces petites choses, petit à petit, c'est ce qui va changer les choses demain. Il faut qu'on arrête de blâmer les autres. Il y a beaucoup à blâmer, mais ça c'est facile, quoi. You know? Everybody can blame, you know? That's the facile route. Everybody can do it. Tout le monde peut faire ça. C'est déplorable, hein? Vous avez raison, mon frère. C'est déplorable. On attend un président d'un pays comme la France qui nous dit ce qu'on doit faire. Mais c'est impossible, ça. You know? Regarde Manhattan. On est au milieu, hein? Ils ont créé tout ça. Bon, pour les jeunes qui n'ont jamais été aux États-Unis, je vous montre un peu là-bas, c'est Statue of Liberty, le statut de la liberté, que vous voyez là-bas devant nous. Bon, je vais essayer de zoomer un peu pour vous, c'est là. Il faut prendre le bateau pour y aller. Tous ces gens-là, ils sont en train de prendre le bateau pour aller visiter ça. Ça, c'est le Statue of the Liberty. Il crée des trucs qui vous font rêver, quoi, tu vois. Et nous, on a ça au Sénégal maintenant, parce qu'on a le monument de la Renaissance qui est magnifique. Bon, on doit l'entretenir beaucoup mieux, hein. Parce que ça peut amener beaucoup d'argent. Vous voyez, tous ces touristes-là, tout ça, c'est le marketing d'un pays. Ils viennent de partout dans le monde pour prendre ce bateau. Ils vont payer de l'argent qui rentre dans l'économie américaine pour aller visiter ce statue. C'est rien qu'un statue, hein. C'est tout. C'est qu'un statue, il n'y a rien d'autre. C'est comme à Paris, ce qu'ils ont fait un peu là-bas, avec, comment ça s'appelle, le truc Tour de Fer là. Et ils font beaucoup d'argent pour ça, you know. C'est rien. Bon, au Sénégal, on a un monument de la Renaissance qui est magnifique,
fait venir beaucoup de monde aussi, mais on doit l'entretenir beaucoup mieux. Regarde-moi ça. C'est des milliers de personnes qui sont en ligne, des heures et des heures, pour prendre le bateau. D'accord? Et juste aller prendre des photos avec ce truc là-bas. Là. C'est tout. Statue de la liberté. Comme ça, c'est un très grand pays, les États-Unis. Ils ont bossé. Ce qu'ils ont, ils l'ont eu par le travail. C'est des bosseurs. They dream the impossible and they make it happen. Everything is possible aux États-Unis. Demain, on doit faire ça pour l'Afrique. On doit créer notre propre système. Vous avez encore vu le drapeau, comme j'avais dit. Les policiers sont là, toujours la sécurité. Hello, how are you? All right. Ils sont très gentils, très respectables. Très respectables, les policiers ici. Ils ne t'insultent pas, rien du tout. Ils ne t'insultent pas, ils ne t'appellent pas des noms, ils ne te suivent pas pour rien du tout. Bon, il y a des fous aussi, il faut le dire, comme partout. Mais quand même, il y a des professionnels. Anyway, je joue un peu le truc pour vous aussi, pour vous montrer. C'est pas, je vous montre tout ça juste pour vous faire rêver, c'est rien d'autre. C'est juste pour, parce que j'étais très inspiré par ce que j'ai vu, les fermes ici au milieu de Manhattan. Donc, je dis bon, je vais passer vous montrer ça. Tout ça, vous voyez, United States Navy, tous les noms qui ont été... les gens qu'on a perdus pendant les guerres, là, ils ont mis leur nom ici pour les honorer, quoi. Tu vois? Ils les ont mis US State Navy, United States Navy, qu'on a perdu. On les a mis ici pour les honorer. Statue de la liberté. Ce bateau-là, tout le monde va. C'est comme les gens qui vont à Gorée, là. Tu vois? Ils nous amènent beaucoup d'argent pour notre économie aussi, là-bas au Sénégal. Hein. On a un très beau pays, hein? Un très beau continent qui est mieux que même ça. C'est mieux que même les États-Unis si on. Fait ce qu'on doit faire, quoi. Mais il faut une gomme sur une bob, quoi. On doit travailler, on va comprendre que nous sommes bénis de tout. Eux, ils ont aussi. Bon, Manhattan, c'est un lac, quoi. New York, it's a lake almost, you know. I'm sorry, it's an island. It's an island ici, il le quoi. Donc, on est entouré de l'eau ici. Mais au Sénégal, on a la mer, c'est magnifique là-bas. On a un pays extraordinaire, hein. Mais regarde, comment ils vont entretenir tout. Même les jardins dans les rues, là, c'est entretenu. Nous, il y a garbage partout. Pourquoi? Tu sors de l'aéroport, les arbres ne sont pas entretenus. C'est pas bon. Ici, partout, ils font ça. Si on prenait des milliers de jeunes Sénégalais qui ne font rien à l'université après les vacances, qui vont là-bas nettoyer, on les donne chacun, même si c'est 100 000 francs par personne le mois. C'est bon. Ça va entretenir le pays. OK, c'est mon gars. I'm sorry. You know, tout ça me révolte quand je voyage. You know, tout ça me révolte. Le pigeon est dans le bronze. Sénégal, c'est mon gars, il est bien. Le pigeon est taché. Galen, il est là. Il faut que je fasse un bronze. 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 You know? Alors, voilà, vous voyez, New York est là. And the flag is always there. Always, the flag is always. They are very pride, very proud people, man. The green, ces jardins, on a besoin de ça. Nos leaders, s'il vous plaît, préservez nos terres là-bas. Mettez des arbres, mettez des jardins pour les enfants, pour le futur. Sans l'arbre, on peut pas nourrir, you know, vivre. There's no life without trees. Sans l'arbre, y a pas de vie. Y a pas de vie si on n'a pas les arbres. Pourquoi on continue à les tuer pour construire des maisons partout là? Ça doit être des lois. Que si tu construis une maison, c'est obligatoire. Tu fais 3 à 4 arbres devant ta maison. Obligatoire. Sinon, on va faire des amendes. À Singapour, même, c'est obligatoire. Avant de construire, tu dois d'abord planter des arbres. Nous, on veut faire ça. Les buildings comme ça, là. Et on oublie ça, l'environnement. On veut faire ça pour se comparer d'eux. Et on oublie ça. D'accord? Et ça, c'est important. Ça... You know, ça, c'est les jeunes fermiers qui sont là en train de travailler partout. Voilà. Ça, c'est les jeunes fermiers. Ils sont là, ils font des volontariats dans les quartiers. Tout le monde, ils viennent travailler dans les jardins. Ils participent. All right, take care, guys. Bonne journée à vous. Et je vous souhaite
Très bon week-end à vous et à vos familles. Et de continuer à rêver, mais de travailler aussi pour votre avenir, pour l'avenir de notre pays, le Sénégal, l'avenir de notre continent, partout où vous êtes dans le continent ou même dans la diaspora. C'est pas grave, ne vous souciez pas, l'avenir est un peu, you know, bright. On va y arriver, Inch'Allah. Thank you, have a great day, guys. Bye bye. I miss you, man. Thank you, brother. God bless you. We miss you in the US. We miss you here. But I'm coming back home, Inshallah. We'll get together. I'm coming back home. I miss Senegal. I miss everything back home. I miss the Chebujan. I miss the farms. I miss everyone. Yalla defal len jam yeen ñep. Ñu reste positif ak you know, nek ci jam rek. Positif. Jam buñ ko amé rek li ci dess dana new quoi. Nank rek dana bax, you know, nañ liggéey rek nank bu kenn xeb dara la nga nek jappal rek bu len xewul rek dana bax quoi, parce que lo nek rek compte bu ne ci ben lay tambali bu len xeb gor gor lu len xam xam moy jitu ci lepp te ñu def lepp ci dal ak jam rek, d'accord. Wa buñ saaga kenn buñ def lu bon buñ wax kenn lu bon nañ nek ci dal, parce que ci dal ci lañu amé liñ bëgg quoi, you know. Yalla nañ ko yalla may ñuko ñun ñepp quoi. Bañ mëna servir suñu rew comme ni américain yi di servir sen rew avec fierté, you know. Ñol ñu ñëpp la war quoi, doomu rew yépp ñu mëna naño tok fi hein, parce que fi mom c'est confortable quoi, vraiment. Mais lool day yomb quoi, c'est trop facile, you know, parce que quand damaay tok fi ci internet bi di critiquer suñu nguur yi ak yoyu, mais lool c'est facile, lool ñu yomb la quoi. Wa il faut ñu ñibi dem def liñ mën, ñu mëna dem ñu mënta dem, ñu tok fi aussi di envoyer liñ mën. Parce que tout le monde peut venir. Nous avons besoin d'être ici pour nous donner. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que quand je l'ai dit, nous sommes dans les tâches, si on peut venir, nous sommes dans les tâches. Parce que nous sommes dans les tâches, nous pouvons les donner. Mais si on est dans les tâches, nous pouvons avoir des tâches. Mais émigrer aussi, c'est ça. Si tout le monde peut venir, parce que nous sommes venus. Parce que nous pouvons continuer ici. Les gens européens pour nous donner ce qu'ils peuvent faire des salaires. Ils peuvent être quoi. Donc, si nous sommes dans le pays, nous nous demandons aussi. Vraiment. Ils sont des gens quoi. Vraiment. Immigrés, nous nous demandons quoi. Qui nous demandons, ils ne nous demandent pas quoi. Parce que je vois ce qu'ils font. Vraiment. C'est des gens. Ils bossent. Et ils ne font pas beaucoup de choses. Ils sont toujours des gens qui font des choses. You know. Donc, gâche en galam. Bravo à nos immigrés. À la diaspora africaine. La diaspora sénégalaise. Merci à tout ce que vous faites. Pour la contribution, votre contribution pour le développement de notre pays. Moi, Tchonya, je vous dis merci. Ok, God bless. Take care, guys. Bonne journée.